Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage hors norme, au carrefour du monde des affaires et des services secrets. Je vais vous emmener dans le monde très fermé de la diplomatie parallèle algérienne. Attention, ce récit n'est pas une fiction. Il est basé sur des témoignages inédits, des documents déclassifiés secret défense révélés pour la première fois. L'histoire de Messaoud Zeghar a fait l'objet de nombreux écrits et de films souvent basés sur des contre-vérités, alimentant un mythe qui soit le diabolise, soit l'idéalise. Je vous livre aujourd'hui un travail d'investigation de plusieurs années, sans parti pris, utile à la mémoire algérienne. La France lorne depuis longtemps sur les richesses de l'Algérie. Déjà en 1664, Louis XIV débarqua à Gigel et fut repoussé. Charles X, à son tour, à court de trésorerie et en proie à la colère du peuple parisien, décide de s'emparer du trésor du dey d'Alger. Il débarqua à Sidi Ferruche le 14 juin 1830. Le trésor volé, la France restera pour exploiter cette riche contrée. Elle ne donnera jamais les mêmes droits aux Algériens, sous prétexte qu'ils sont musulmans. Tout au long des 132 années de colonisation, la France développa des pratiques qui furent celles du nazisme, comme le souligna la célèbre ethnologue Germaine Tillon, générant des centaines de milliers de victimes. Des crimes contre l'humanité seront perpétrés. Le basculement de la révolution algérienne vers l'action armée ne s'est pas fait comme ça, de manière improvisée ou irréfléchie. Le grand virage a eu lieu à partir du 8 mai 45, compte tenu des violences de l'extrême répression de l'armée française contre les populations civiles. Et il faut dire qu'en mai 45, beaucoup d'Algériens espéraient qu'avec la victoire sur le nazisme, leur sort allait être modifié et qu'on allait entrer dans une phase au moins d'une certaine reconnaissance de droits aux Algériens. Cela ne s'est pas fait, donc la répression a été brutale. Le 8 mai 45 est une date bâtarde. D'un côté, les peuples de Paris ou de Londres fêtent en liesse la capitulation de l'Allemagne nazie. Et de l'autre, les Algériens, acteurs décisifs dans la libération de la France, pleurent les victimes des massacres des manifestants nationalistes, Assétif, Guelma et Kherata, qui ont fait des milliers de morts. Le consul général américain à Alger confirme le chiffre astronomique de 40 000 victimes. La répression fut terrible et l'impunité totale. À sa tête, le sous-préfet André Akkari. Aucun des miliciens ou militaires ne sera auditionné ou sanctionné. Au contraire, André Akkari recevra en 1946 la Légion d'honneur. Messaoud Zeghar est à Sétif ce jour-là. Présent avec son père dans cette foule venue réclamer son indépendance, il assiste impuissant au massacre des manifestants par les milices et l'armée française. Face à cette tragédie, les Algériens ne seront plus comme avant. L'Algérie a ses héros de la résistance, Larbi Ben Mehdi, Abben Ramdan, Mohamed Boudiaf et tant d'autres, connus et inconnus. Messaoud Zeghar est l'un d'entre eux, mais il reste peu connu du grand public. Messaoud Zeghar vient du village d'El Alma, proche de Sétif, Saint-Arnaud à l'époque. La vie est rude dans ce petit village en pleine colonisation. Né en 1926, Messaoud est l'aîné d'une famille nombreuse. Dès son plus jeune âge, Messaoud montre de fortes capacités de débrouillardise et de créativité. L'implantation d'une base américaine à Sétif lui permet de développer ses affaires. Son goût de l'aventure le pousse à aller toujours plus loin. Il part pour Oran, assez proche du Maroc où la résistance a ses bases arrières. Au début des années 50, Messaoud devient un rouage décisif de la résistance algérienne. En 1954, le débat fait rage parmi les résistants. Action militaire, action politique. Le groupe des 22, avec Ben Tobal, Ben Mehdi, Ramdan et Bossouf, se prononce pour la lutte armée jusqu'à l'indépendance totale. Sous la direction du groupe des 6, le 1er novembre 1954, une série d'attaques est opérée. C'est la Toussaint Rouge. L'islam sera le fondement de l'unification de la résistance.
L'année 1957 est un coup dur pour la résistance. Le 4 mars, Ben Midi est lâchement assassiné par l'armée française. Et le 27 décembre, ce sera Ramdan par ses frères d'armes. Mort dans des conditions atroces, étranglé et sûrement dissous dans l'acide, son corps n'a jamais été retrouvé. Boussouf, accompagné par Krim Belkacem et Ben Tobal, sont soupçonnés d'être à l'origine de son assassinat. Mythe ou réalité? Qui est véritablement Abdelhafid Boussouf? Abdelhafid Boussouf est un des chefs militaires dont le nom de guerre est Simabrouk. Il est l'homme des renseignements et des communications, le père des services secrets algériens. Il est à l'origine du MALG, le ministère de l'armement et des liaisons générales. Il est à ce titre un des hommes les plus redoutés de la Révolution. C'est vrai, c'était un homme extrêmement puissant. C'est un homme aussi extrêmement méthodique qui avait une capacité de calcul froid et très rationnelle qui était profondément pétri dans le nationalisme algérien. Boussouf était également un homme extrêmement intelligent qui avait une vision à long terme. Sa singularité est surtout d'avoir été le mentor des personnalités les plus illustres de la révolution algérienne, dont Houari Boumediene et Messaoud Zeghar. Ah, Boussouf, c'était le père, le patron de tout le monde. Ah, Zeghar, c'était un homme de Boussouf, c'est qui ravitaillé en armes et qui a fait un travail remarquable. Hein. Messaoud Zeghar est arrivé en 1956, début 1956 au Maroc. On connaît bien sa vie à Oran. Il a été présenté à Boussouf, à Rabat, qui lui a dit « Bon, tu fonces, tu as toute ma confiance et tu agis en électron libre. » Il ne faisait pas partie de l'organigramme de Boussouf, mais il était un proche collaborateur et qui agissait de sa propre initiative. Boumediene, quand il est arrivé, était porteur d'une lettre qui était destinée à Boudiaf. Elle était adressée par Bembella à Boudiaf. Il a remis une lettre à Boumediene. Et dans cette lettre, il a commandé à Boudiaf de le prendre avec lui. Boudiaf, voyant la chose venir de Bembella, qui était un adversaire, a dit à Boussouf, je n'en veux pas. Tu le prends avec toi. C'est ce qui s'est passé. Boussouf a vu l'homme, etc. Il a vu qu'il était intelligent, qu'il avait une bonne formation, qu'il parlait couramment en arabe, il a dit, je le prends et je l'utilise comme j'utilise tous les autres. Donc il lui a confié des tâches de formation, il lui a confié des tâches de mission à l'intérieur du pays. Bon, c'est Boussouf qui l'a créé. C'est Boussouf. Tout le monde, c'est Boussouf qui en a fait ce qu'ils sont, qui les a formés, qui les a... Non, Merba et tout ça. Hein. Boussouf, il a mis en place toute la structure, l'infrastructure, les cadres du pays qui, en 62, ont remplacé les Français. C'est Boussouf. À l'époque, Boumediene était à la frontière du Maroc et devenu qui a succédé à Boussouf à la tête de la wilaya et qui s'occupait de l'armement. Et tout. C'était la préoccupation essentielle. Boumediene était l'adjoint de Boussouf, et que par la suite, il est devenu le chef d'état-major, et que l'élève a dépassé le maître, que Boumediene a en quelque sorte repris les rênes de toute l'activité de l'armée aux frontières. Messaoud Zeghar est officiellement commerçant. Il s'agit surtout d'une couverture. Très actif dans la résistance algérienne, il est en charge d'acheter de l'armement et des matériels. En fin stratège, il sait aussi s'entourer. Il constituera sa première équipe rapprochée. Elle sera composée de trois personnes clés. Jimmy Obel, Rem Obadia et Gilan Israel.
Jimmy Obel, ancien agent des services secrets américains, aidera Zegar à acquérir du matériel dans les bases américaines. Par la suite, il l'introduira dans les plus hautes sphères internationales. Obel utilisera également son statut singulier pour couvrir les affaires de son ami Zegar. Il est né citoyen américain, il était très patriote. Zegar aussi était très patriote. Quand la guerre mondiale éclate, il est très jeune. Et je pense que c'est à ce moment-là, ou peut-être juste avant, que mon père a été contacté par les services secrets américains pour travailler pour eux. Et il a rejoint une unité qui s'appelait à cette époque l'OSS. Donc il a été un des premiers membres. Et donc il a travaillé pour les Américains au sein de cette unité. Donc, qui était un service de renseignement allié. Et cette unité est devenue très célèbre puisqu'elle a été rebaptisée plus tard CIA. Il a été démobilisé comme major. Et il est parti donc au Maroc, où il a commencé à faire des affaires avec les bases américaines qui étaient au Maroc. Il a créé différentes sociétés. Donc, je crois qu'aussi il a créé à un moment donné une société de chewing-gum. Il a créé des sociétés de surplus. Et plus tard, il a créé une autre société qui s'appelait TMTP au Maroc, qui signifiait tout matériel de travaux publics, qui, du départ, était une petite société et qui est devenue, à l'époque, une société très importante. Mon père a connu, donc, Messaoud Zegar au Maroc. Mon père était un peu, du moins à cette époque, était un peu le mentor de Zegar. C'est lui qui lui a appris beaucoup de choses au niveau du monde des affaires. C'était un peu, j'exagère peut-être, mais il était un peu son professeur au début. Mais on verra plus tard que l'élève va dépasser le professeur. Raymond Obadia, commerçant juif d'Algérie, sera son conseiller spécial. Il deviendra un de ses meilleurs amis et collaborateurs les plus proches. Avant l'indépendance, c'était Zegar a dit un jour à sa femme, Raymond m'a sauvé la vie. Et c'est sûr que c'était vrai. On a rencontré Jimmy et Zegar en même temps. Jimmy Obel avait une usine de chewing-gum Clark au Maroc. Il est revenu avec une espèce de grosse mallette noire un jour. Il me dit, écoute, garde-moi ça, j'en ai pour 2 ou 3 jours. Donc il est parti, moi j'ai gardé cette mallette qui était très lourde. C'est lourd, 2 millions de dollars, croyez-moi. Hein. Donc un jour, il arrive au bout de 15 jours et il me dit, tu as la mallette? Je dis, oui, elle est là. Mais où tu étais, Jimmy? Il me dit, j'étais au Grand Hôtel, j'étais caché parce qu'il avait vendu l'usine. J'ai vendu et puis les Marocains m'attendaient à la frontière pour me reprendre l'argent. Zegar, on le connaissait plus ou moins sans faire très attention parce qu'il venait acheter des produits chez mon beau-frère qui avait une usine de bonbons. Ensuite, il venait acheter des sardines chez nous aussi parce qu'on avait une usine de conserve. Donc voilà comment on a connu Zegar. Puis un jour, on s'est rencontrés par hasard à Oran. J'avais un bureau de tabac et il est rentré. Ah, mais on se connaît. Et là, on s'est revus de nouveau. Là, il a dit à mon mari... on va faire des affaires, je veux que tu gagnes de l'argent avec moi. Gilan Israël, son cousin. Sera son secrétaire particulier et homme de confiance en charge de la logistique. Il y a quelqu'un qui m'a frappé sur les épaules. Je me retournais et c'était M. Zegar. C'était mon cousin. Il me dit, voilà, tiens, je t'ai amené un passeport. Vous allez partir en Espagne, à Madrid, et vous allez rester quelque temps là-bas. Et vous partirez sur Casa. On est arrivé à Casa. Moi, avec un passeport, j'étais marocain. Parce que le passeport était un passeport marocain. Le lendemain, on est allé au dépôt. Alors il me dit, voilà, tu vas rester ici, tu vas fabriquer des armes. Saoud Zegar, enhardi par les contacts et les réussites qu'il avait eues, s'est lancé dans l'opération qui a été menée par Boussouf, consistant à la fabrication des armes. On a commencé à travailler
Et on avait un appareil pour faire dissoudre l'explosif. Et on remplissait les roquettes et les obus de mortier. Et on faisait en même temps le montage de tous les bazookas. Et après deux, trois mois, il y a un camion qui vient, il prend tout le matériel, avec une décharge naturellement, et tout le matériel, il l'emmenait. Chez nous, personne ne savait, on était au centre de Casablanca. On travaillait au centre de Casablanca et personne n'était au courant. Aucun, personne, ni les Marocains, ni les Algériens, personne. Personne n'est venu, à part Boumediene, avec un groupe, un petit groupe de combattants, pour choisir les armes. Quelques jours après, on sortait dehors du côté des plages et on faisait des essais avec les bazookas et avec le mortier. Zegar sera surtout le grand pourvoyeur d'appareils de transmission pour la résistance algérienne. Boussouf a tenté déjà dès l'été 56 de créer un service de transmission. C'est là qu'entre en jeu notre ami Mesoud Zeggar. Et c'est là qu'il a appris que les troupes américaines qui étaient stationnées dans la base américaine de Nouasser avaient par annonce dans la presse dit qu'ils liquidaient les équipements, tous les équipements qui n'avaient pas un caractère militaire. Comme il avait beaucoup de bagous, beaucoup d'entre-gens, donc il a séduit un peu les cadres de cette base qui lui ont permis d'acquérir des équipements de transmission et de télécommunication. C'est ainsi qu'il a acheté un shelter complet à l'été 56 qui comprenait un poste fixe qui était destiné pour les liaisons des unités militaires avec leur grand commandement. Et il a acquis également des postes émetteurs, des récepteurs également à Merland. C'est là que Boussouf est arrivé, qu'il a convoqué, il avait Boumediene avec lui. Ils ont travaillé là-dessus, et ils ont ajouté quelques accessoires. Ils ont pu donc créer un poste qui émet en onde courte. Et c'est là, le 16 décembre 1956, que la voix de l'Algérie libre a été, si vous voulez, entendue pour la première fois, a été émise pour la première fois, et ça a continué. Elle émettait tous les soirs en trois langues, arabe, kabyle, français. وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين يتلقى اليوم. La fin de la guerre voit Boumediene plus puissant que jamais à la tête de l'état-major. L'affrontement a lieu entre Boussouf et Boumediene, entre le maître et son élève, pour le pouvoir suprême. Zeggar est déjà aux côtés du chef d'état-major, Wari Boumediene. Lorsque Boussouf est devenu un responsable national et qu'il avait son siège soit au Caire, soit à Tunis, et qui ne venait en Oranie qu'épisodiquement. Zeggar s'est trouvé un peu orphelin de tuteur. Il avait, s'était rapproché, il connaissait Boumediene évidemment, il s'était rapproché de lui, et ce qui est curieux, c'est que c'est deux caractères tout à fait différents. Boumediene était un homme fermé, difficile d'abord, timide, n'a jamais rencontré un journaliste ni une personnalité politique étrangère, et méfiant. Et l'autre avait beaucoup de faconde, était d'un abord facile, il était intuitif, il avait de l'anticipation, le sens de l'anticipation. Tout cela, ça a séduit un peu Boumediene. Et puis, je pense aussi que ça rapprochait de Boumediene, parce qu'un homme intelligent, Saoud Zeggar avait senti que l'étoile de Boumediene
allait être beaucoup plus brillante que celle de Boussouf. Boumediene était à un moment donné le subordonné, dont il est devenu par la suite le chef quand il a, dans la vie politique algérienne. Et ce qui a conduit Boussouf, dans sa grande sagesse, à se retirer de la vie politique. Étant patriote, il a servi son pays dans la Révolution parce que son pays avait, il avait le sentiment que son pays avait besoin de lui. Et une fois que le pays était indépendant, il a vu que ceux qui ont, avaient travaillé avec lui étroitement ont commencé à plus à soutenir Boumediene. Il s'est dit, moi, je vais faire des affaires. Boussouf a l'intelligence de se retirer discrètement de la vie politique algérienne. Il ira même jusqu'à témoigner en 1965, dans la presse internationale, son appui au nouveau président du Conseil de la Révolution. Mais pourquoi Zeghar a choisi Boumediene? Frère d'armes, Zeghar aurait sauvé la vie de Boumediene lorsque Boussouf aurait voulu le faire assassiner. En réalité, ce qui les lie est une estime réciproque. Pour Boumediene, Zeghar illustre l'opiniâtreté et la vitalité d'un patriote. Pour Zeghar, Boumediene représente la probité, une rare intelligence et l'engagement total pour son pays. Boumediene restera marqué par cette tragédie coloniale. La guerre est finie. Zeghar dispose du grade de commandant de la LN. Son clan, le clan d'Oujda, a pris le pouvoir. Et son ami, Boumediene, après avoir été ministre de la Défense, atteint le siège suprême de président du Conseil de la Révolution au mois de juin 1965, suite au coup d'État opéré contre le président Bembella. Zeghar est à la croisée des chemins. Il est le seul en Algérie à disposer de plusieurs passeports diplomatiques et d'un ordre de mission permanent de la présidence de la République, avec obligation pour les autorités civiles et militaires de lui faciliter la tâche. Il choisit en concertation avec son ami Wari Boumediene de faire perdurer sa double fonction d'homme d'affaires et de diplomate officieux. Zeghar, quand il a été, il a quitté l'armée, c'est sur sa demande. Il était commandant de la LN, il a quitté. Il a voulu travailler, c'est son métier, parce qu'il est très malin, il est très... il peut réussir dans des affaires. C'est ce qu'il voulait faire. Au lendemain de l'indépendance, Zeghar passe une vitesse supérieure. Il choisit la Suisse et Genève comme point d'ancrage. La Suisse qui a servi d'intermédiaire dans les négociations entre les Français et les Algériens. Et Genève, capitale mondiale des services secrets, de la diplomatie parallèle et du secret bancaire. Il crée sa première société suisse en 1965, la Socintec. Il étoffe son équipe Jacqueline Schwartz. Elle est le pivot de toutes ses affaires. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé comme premier emploi à la Banque d'Indochine, à Lausanne. Ensuite, je suis allée à Genève, à la BOAC, compagnie aérienne anglaise à l'époque, qui était située à côté de l'hôtel Richemont, donc tout près des quais du Mont-Blanc. Et ensuite, je me suis engagée chez M. Zeghar, mais il était peu à Genève, en fait. Mais il m'appelait d'Alger tous les jours ou tous les deux jours. Au début, c'était assez calme. C'était même très calme. Parce que je l'avais demandé, justement, je trouvais que je n'étais pas assez occupée. Et c'est là qu'il m'avait proposé de prendre la représentation de la RCA et d'Ampex pour les diodes électroniques, pour la radio-télévision algérienne. Donc, je répondais aux appels d'offres. Ça a débuté comme ça. Saïd Boutali, ami d'enfance et originaire d'El Alma comme lui, est son principal relais et associé en France. Il aura la supervision des affaires parisiennes de Zeghar, en particulier ses hôtels et la société Afi Socintec dont il est le gérant.
Il sera également un homme clé dans les transactions financières de Zegar entre la France et l'Algérie. Roberto Sancho sera son homme de confiance en Espagne et son expert dans toutes les questions hôtelières, segment prisé par Zegar. J'ai commencé le travail à l'hôtel Pinto Goya l'année 70. Et 200 ans plus tard, c'est lui qui est à Paris parce qu'ils ont vendu l'hôtel des anciens propriétaires. Moi, j'étais directeur. Après, enfin, c'est-à-dire, j'étais sous-directeur. Mais après qu'il a acheté M. Zegar, pas M. Zegar. En réalité, il a acheté M. Gillani avec une compagnie étrangère, bien entendu. Moi, c'était l'unique, je crois, que j'ai parlé assez bien français et tout ça. Donc, il a passé bien la chimique entre M. Zegar et moi et il m'a fait monter comme directeur. Enfin, dans les dernières années, Messaoud Zegar s'arroge les services d'un jeune talentueux collaborateur, Gilles Clamagéran, qui sera son conseiller particulier pour les questions de finances internationales et de stratégie de développement. Dans l'équipe Zegar, je suis quelqu'un un petit peu à part, parce que je suis arrivé le dernier et que volontairement nous étions mis d'accord pour qu'il m'utilise un peu à part des structures qu'il avait depuis longtemps. Voilà, donc j'ai rencontré Rachid Zegar à Paris. On a discuté, tellement discuté qu'au bout d'un moment, il m'a dit « Mais est-ce que vous ne voudriez pas rentrer dans mon équipe ?» Pourquoi pas, quoi, voilà. Grosso modo, ça s'est passé comme ça. On avait défini des règles entre moi et lui au début, quand il a voulu m'embaucher. Et ça a été très vite, et c'est ce qui fait qu'on s'est très, très bien entendu. Un, je suis rentré comme salarié chez lui. Deux, je ne dépendais que de lui. Le deuxième donneur d'ordre pouvait être Jacqueline Schwartz. Et Goutali pouvait me transmettre des instructions de Zegar. Donc Zegar m'a volontairement tenu à part du reste de son équipe. Ma fonction a évolué et je suis devenu en fait son sparring partner parce que j'étais justement le nouveau appartenant à des circuits complètement différents de ceux dont il avait l'habitude et je l'intéressais parce que j'avais par rapport à mon âge un passé important à travers les banques, dans le monde international. Je connaissais pas mal de présidents de la République, pas mal de ministres. Ce que cherchait Zegar, c'était d'avoir quelqu'un qui lui parle net. Donc on n'a jamais eu d'accrochage important. Les choses devaient être dites, pas à moitié, pas à contre-temps, à des moments précis, et de façon à prendre les meilleures décisions possibles. Et j'ai l'impression que quand je suis arrivé, je le soulageais parce qu'il avait du mal avec son ancienne équipe d'avoir des choses aussi assez précises par rapport aux objectifs qu'il voulait atteindre. Cette vision globale lui permet de réaliser des montages financiers innovants, associant cascade de sociétés et optimisation fiscale, sous la houlette d'un expert, l'avocat suisse-allemand Maître Hagenbach, introduit par Jimmy Obel. Son équipe constituée, Messaoud Zegar sera un homme redoutable dans le monde des affaires et deviendra un des hommes les plus puissants d'Algérie et un des personnages les plus influents dans le commerce international. Depuis longtemps, je faisais des affaires aussi avec les Américains. Et Jimmy Obel, c'était le point d'attache de M. Ozer avec l'Amérique. C'était le point de celui qui a des choses en Amérique, c'est lui qui le conseillait. L'engouement de Zegar pour les États-Unis, clairement, vient de mon père. Toutes ces relations qu'il a eues aux États-Unis sont venues par l'intermédiaire de mon père qui connaissait beaucoup, beaucoup de monde. Zegar voyait les États-Unis d'un œil très, très positif. C'était un pays qu'il admirait, franchement. Les apports de Zegar au service de l'Algérie sont nombreux et certains sont encore à ce jour gardés secrets. Par exemple, ceux relatifs à la Palestine ou au Maroc. Boumediene fait de son ami le pivot de ses relations algéro-américaines pendant près de 10 ans. Il est reconnu par les Américains comme le confident du président Boumediene. Effectivement, ses relations diplomatiques avec les États-Unis en 1967, à la suite de la guerre du Ramadan. Donc, nous avons rompu ces relations, mais le président Boumediene, qui était encore à l'époque un homme très pragmatique, a tenu à maintenir avec les États-Unis
une relation officieuse que les États-Unis ont appréciée parce qu'ils reconnaissaient à l'époque tout le poids de l'Algérie dans le tiers-monde. Alors, Messaoud Zeghar, il a joué un rôle de diplomate, de diplomatie parallèle. Il avait des ordres de mission ou même un ordre de mission permanent pour agir pendant tous ses voyages, surtout pour les États-Unis, pour le Maroc, enfin, tout autre pays. Et aussi, le président Boumediene lui confiait des missions à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, pour avoir peut-être un avis différent des personnes qui l'entouraient. M. Zeghar, il avait 3 ou 4, je l'ai vu, à Alger, non, 3 ou 4 passeports diplomatiques algériens. C'est-à-dire qu'il prenait l'un, l'autre, il appelait son cousin Gilali. Alors, Zeghar, tu me ramènes ça? Oui, papa. Il y a des choses que l'on peut confier à des responsables officiels, mais il y a des choses qu'on ne peut pas confier. Il y a des missions secrètes que seul un personnage discret peut assumer. Son rôle est essentiel dans de nombreux dossiers sensibles, en particulier dans la nationalisation des hydrocarbures, le conflit irak-iran, les prisonniers de guerre du Vietnam, ou encore son intervention pour la visite de Boumediene aux États-Unis. Zeghar obtient par un pacte secret l'assurance que les États-Unis n'interviendront pas contre l'État algérien à l'annonce de la nationalisation des hydrocarbures, comme cela avait été le cas pour l'Iran en 1953. En contrepartie, les États-Unis décrocheront un volume conséquent de contrats de fourniture. L'Algérie nationalise ses hydrocarbures le 24 mars 1971, sans heurts. Nous étions souverains depuis l'indépendance. Nous étions souverains dans nos bureaux. Moi, je représentais la souveraineté nationale, mais j'étais souverain dans mon bureau. Mais quand on allait sur les champs pétroliers, on était étrangers. Parce que c'était des sociétés françaises ou américaines, surtout françaises, des ingénieurs, des techniciens français. Bon, les ingénieurs, c'était les manœuvres. D'ailleurs, il est significatif que Boumediene n'a jamais mis le pied sur un champ pétrolier qu'après les nationalisations. C'était pour lui une question de principe. Je ne veux pas être chef d'État et étranger dans mes gisements. Et de là, la création de Sonatrach. Sonatrach a été créée pour préparer la nationalisation. L'idée de la nationalisation pratiquement était dans nos esprits au moment même de l'indépendance. Il fallait prendre des étapes, s'organiser, créer la Sonatrach, être en mesure de prendre en main les intérêts que nous allions nationaliser. On a commencé, nous avons par étapes. Par exemple, pour la distribution, on a commencé par acheter BP. Puis ensuite, on a nationalisé. Pour le raffinage, on a commencé par acheter une partie dans la raffinerie. Puis ensuite, on a nationalisé. Et pour l'amont, c'est-à-dire les gisements de pétrole et de gaz, on avait commencé par les sociétés américaines, les sociétés anglo-saxonnes. Et ensuite, le gros morceau est venu en 71, quand on a pris le contrôle de l'ensemble des sociétés françaises. Je pense que le meilleur rôle qu'a joué Messaoud Zeghar, c'est pour dans la préparation de la nationalisation des hydrocarbures. Il a pu obtenir des Américains qu'ils ne suivraient pas la position française qui allait également réagir vigoureusement. Et les Américains étaient prêts à accepter que les Algériens nationalisent les hydrocarbures et qu'ils soient également partie prenante dans les acquisitions de pétrole et de gaz algériens pour éviter le blocus que souhaitaient faire les Français sur ce pétrole qu'ils ont appelé le pétrole rouge. Le pétrole rouge, c'est-à-dire le boycott des exportations de pétrole algérien, les États-Unis n'ont pas participé à cette opération. De la manière qu'auraient voulu les Français à l'époque. Zeghar a été extraordinairement soutenu par les États-Unis. Je dirais même qu'il a empêché le président Boumediene d'aller trop à l'Est. Et puis les Américains, qui sont des gens un peu sans scrupules, lorgnaient quand même bien le pétrole et le gaz algérien et étaient très contents de sortir la France de ce pactole.
Zegar, lorsqu'il a été chargé de prendre contact avec les Américains, il est passé par moi. C'est fortuitement, ou c'était organisé de sa part, mais c'est lors d'une de mes missions aux États-Unis que Zegar est venu à Dallas me dire qu'il était porteur d'un message écrit de la main de Boumediene pour le remettre au secrétaire d'État à la Défense, aux Américains. Et j'ai pu lui faciliter l'introduction et il a remis ce message au secrétaire d'État à la Défense, c'est-à-dire au gouvernement américain. Durant les années 60, l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires, avec un non-alignement actif, préservant ses relations avec l'URSS, tout en gardant d'une manière officieuse des relations soutenues avec les Américains. Zegar, missionné par Boumediene, rencontrera un émissaire du président Nixon, l'astronaute Frank Borman. L'objectif, la libération des prisonniers américains au Vietnam. Mission réussie. Le président Nixon en personne remerciera Messaoud Zegar. Et Frank Borman deviendra son ami. Juin 1974, Messaoud Zegar joue un rôle majeur dans le voyage du président Boumediene aux États-Unis. Le président algérien est invité par Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, pour prononcer un discours à l'Assemblée générale à New York. L'intervention de Boumediene sur les rapports Nord-Sud restera mémorable. Messaoud Zegar est le maître d'œuvre dans la logistique du voyage du président. Monsieur Zegar m'a appelé et il m'a donné de l'argent. Il m'a donné 250 000 dollars, 225 000 dollars. Il m'a dit, tu gardes ça, tu l'emmènes avec toi. Et je suis parti avec la délégation à New York. Pas avec Boumediene. Dans l'avion, M. Zegar était en première et moi j'étais avec Ebel et l'autre en touriste. Et j'avais peur de rentrer en Amérique avec 250 000 dollars. Oh mon Dieu, d'où vous avez amené ça, vous? Alors je suis allé le chercher. J'ai laissé mon bon moment à le chercher dans l'avion. Un bon moment. Il dormait derrière les coussins, les choses, mais il dormait vraiment. Alors je l'ai rêvé, je lui ai dit, okay, qu'est-ce que je vais faire avec tout l'argent? Parce que je ne peux pas le faire tout rentrer, parce que ça va me... Peut-être que ça va me chercher des... Ils vont me chercher des histoires. Il dit, bon, tu me donnes la moitié, tu gardes la moitié, je lui donne. C'est ce que j'ai fait. C'est à l'aéroport qu'on a rencontré, on a vu Boumediene et tout. Et ils sont allés naturellement en délégation, ils sont allés dans un autre hôtel et nous nous sommes restés chez nous. Quoi. Ce discours prononcé par le président Boumediene à l'Assemblée générale des Nations Unies était un discours particulièrement remarqué. Ce que M. Zegar a fait, c'était de mettre de l'huile dans les rouages pour faire en sorte que les choses se passent bien, signaler sa présence pour la préparer avec des officiels américains, et puis essayer aussi de faire avaler aux Américains pour une deuxième fois le fait que quand un président algérien arrive aux États-Unis, il va à Cuba aussitôt après. À l'époque, il y avait une tension très forte entre Cuba et les États-Unis. Et je pense que si le président Boumediene l'a fait, c'est parce que d'une part, il était perçu déjà à l'époque comme un leader du tiers-monde et il fallait montrer qu'il n'était pas intimidé. Mais
aussi parce que son prédécesseur l'avait fait, qu'il ne voulait pas être en reste avec lui. C'est dans ces conditions que ce discours a été prononcé. Une rencontre secrète est également organisée entre Nixon et Boumediene à Washington, où sont abordés de nombreux dossiers sensibles. Le président Nixon, à l'époque, disait qu'il avait peut-être que les relations des États-Unis avec l'Algérie, dans le cadre de ces relations diplomatiques interrompues, étaient peut-être plus fructueuses que des relations diplomatiques avec des pays avec lesquels ils avaient maintenu de telles relations diplomatiques. Ces relais aux États-Unis sont Chev Gellel, l'ancien premier ambassadeur d'Algérie dans ce pays, mais aussi l'ancien ministre de la Justice américaine, Richard Kleindienst, parrain de ses enfants, et l'avocat texan, William McKenzie, ami intime du directeur de la CIA, un certain George Bush, qui deviendra en 1983 président des États-Unis. En 1975, le conflit irak-iran est prêt à exploser. Zeghar est à nouveau l'homme pivot, l'homme de l'ombre, celui par qui les problématiques sont d'abord résolues de manière officieuse, avant d'accueillir sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran Abdelaziz Bouteflika, l'officiel ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Son talent dans la diplomatie parallèle est couplé à un génie des affaires, lui permettant de s'implanter aux quatre coins du monde, racheter des fleurons internationaux avec des pépites comme Telemit, l'entreprise allemande de télécommunications militaires, mais aussi des hôtels de luxe à Paris ou Los Angeles, des puits de pétrole aux États-Unis, une compagnie aérienne, mais aussi des investissements dans l'immobilier, l'or et d'autres activités. La stratégie de Zeghar, c'était de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, c'était une phrase que mon père souvent répétait. Donc, il avait deux hôtels en France, un hôtel aux États-Unis, une compagnie d'aviation aux États-Unis, il avait une société de flocage en Suisse, la société Telemit en Allemagne. Bon, lui, il avait un ingénieur spécial, pour les, disons un pif spécial, pour voir... Ça peut ramener de l'argent, c'est une bonne affaire, c'est un bon négoce. Mais comme je disais avant, celui qui ouvre les portes, c'est quelqu'un toujours comme Jimmy Hubel, qui connaît. Et après Jimmy Hubel, il avait des relations, je le vis en Amérique, il avait des relations, Billy McKenzie. Le génie de Zeghar, il n'avait pas un esprit dans la logique déductible, il marchait très fort au feeling. Mais son feeling était très très bon. Alors il était nourri par les doutes, par cette parano aussi, il avait confiance en personne, mais il voyait bien les choses. Et puis vraiment, il avait du flair, il voyait les choses venir. Il était important parce qu'il était l'ami de Boumediene, vous le savez très bien, et tout le monde le sait. Et voilà, c'est ça, c'était sa garantie, sa référence, c'était celle-là. Alors tous les Américains, tout le monde le recevait parce qu'on savait qui il était. Son coup de maître fut sûrement le rachat de Telemit au milieu des années 70. Zeghar venait d'acheter une société à Munich qui s'appelait Telemit. Et il m'a proposé, sachant que j'étais en Allemagne, que je parlais allemand, il m'a proposé de venir travailler pour lui dans sa société à Munich. Donc voilà, l'offre était très intéressante au niveau du salaire, ça semblait très très bien, et donc j'ai dit oui. Il m'a demandé des conseils dans une société qu'il avait achetée en Allemagne, à Munich, qui s'appelait Telemit. Mais dans Telemit, j'ai facilité l'accord, mais j'ai pas eu de fonction dans Telemit.
les relations entre M. Zegar, acquéreur, et Knabe, qui était directeur général, ont toujours été assez difficiles. Parce que Zegar était un homme, quand il avait acheté quelque chose, il pensait que c'était à lui, il pouvait tout faire. Donc la législation allemande sur l'abus de biens sociaux, tout ça, ça n'intéressait pas tellement. Et je me rappelle, il y avait une très grande scène, qui était anecdotique, avec une voiture qu'il achetait, et Knabe disait, mais vous ne pouvez pas acheter une voiture comme ça, ça ne se justifie pas, c'est impossible, mais c'est comment, mais c'est à moi, cette société, pourquoi je ne peux pas acheter une voiture. Télémit, c'était une société qui avait été créée par Telefunken. Elle fabriquait du matériel de communication militaire, donc des postes de radio militaire essentiellement, le poste de radio militaire phare de l'armée américaine, qui était le PRC-77. Et Telemit avait fait une version transistorisée du PRC-77 et une version améliorée, donc qu'ils avaient appelée PRC-77-GY. Mais au vu de son activité, cette entreprise est très surveillée par les services secrets européens. Redoutant une gouvernance d'entreprise conflictuelle, Messaoud Zegar revendit rapidement l'entreprise au colonel Kadhafi. Cette vente permit à Zegar de faire une plus-value de près de 20 millions de dollars, soit l'équivalent de près d'un demi-milliard de dollars d'aujourd'hui. Une plus-value qui lui permettra au début des années 80 de disposer d'une fortune considérable pour poursuivre son ascension internationale, en particulier aux États-Unis. Zegar avait acheté une usine en Allemagne et il lui a vendu à Kadhafi. Kadhafi lui a payé 20 millions, c'est ce qu'il nous a dit, Zegar. Et il les a mis entre deux banques. Je crois qu'ils sont encore là-bas. Hein? Parce que personne n'est allé les prendre. La vente de Telemit, j'ai appris un jour par Knabe que la société avait été vendue à la Libye. Que la Libye, que le colonel Kadhafi personnellement avait acheté la Telemit et que par l'intermédiaire d'une holding en Suisse, et que voilà, la société donc appartenait maintenant donc à Kadhafi. Il a aussi investi dans des hôtels. En France, c'était à Paris, l'hôtel Schweizerhof et l'hôtel Celtic. Aux États-Unis, c'était le Roosevelt. À Madrid, c'était l'hôtel Pintor Goya. Ben, le Roosevelt, c'était un très grand hôtel. C'est là où on donnait les Oscars au début. Et c'était merveilleux. Il y avait des grandes salles de cinéma. C'est un très bel hôtel. Et puis un beau jour, il veut acheter le Bel Air, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. Elle ne vous l'a pas dit, Jacqueline. C'est elle qui a mis dans les valises des lingots d'or et 2 millions de dollars que nous avons transportés. Raymond et moi. Quand Obadiah est venu à Genève avec son épouse pour récupérer, moi je me souviens seulement d'un lingot. Et j'avais été fascinée parce qu'à la banque, quand elle m'a porté ce lingot, il était tout petit, moi je voyais quelque chose de très gros. C'est la première fois que je voyais un lingot d'or. On arrive à l'aéroport de Los Angeles et vous avez à déclarer, Raymond dit non, non, non. Il a dit rien en anglais. Et à 1h du matin, Zegar, il nous attendait devant la suite. Et voilà, ils sont montés, ils ont ouvert. Et c'est là où on a su qu'il y avait des lingots d'or. Imaginez un peu, on aurait été en prison. Une affaire assez extraordinaire pour un avocat. Je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'avais mon étude à l'époque dans la vieille ville, à la rue Verdaine. Et en fin de journée, ma secrétaire m'indiquait qu'il y avait une personne qui n'avait pas pris rendez-vous, mais qui souhaitait me rencontrer. Donc, j'ai rencontré, c'était M. Messaoud Zegar. Il m'a remis, à l'époque, un chèque important de l'ordre d'entre 15 et 20 millions de nouveaux francs à mon ordre. Donc, c'était comme des espèces à mon ordre. Et il m'a chargé de s'occuper de l'achat d'un hôtel à Paris. C'était l'hôtel Celtic. Et il m'a demandé de devenir administrateur et président de l'hôtel Celtic. Et je suis resté président de l'hôtel Celtic pendant un certain nombre d'années. Il avait une vision internationale du business. Zegar était un homme qui savait acheter, qui était un opportuniste.
et qui avait les moyens de sa politique, ce qui était rare à l'époque. À la fin des années 70, Zegar est au sommet de son ascension dans les affaires. Il dispose de structures et d'actifs aux quatre coins du monde, représentant plusieurs centaines de millions de dollars. Il est aussi une référence mondiale dans l'intermédiation internationale, où il joue coude à coude avec les célèbres Adnan Khashoggi ou Akram Oche. Et depuis la mort en décembre 78 de son ami le président Boumediene, Zegar est dans l'incertitude face au nouveau pouvoir algérien. Ce nouveau pouvoir conduit par le colonel Chatli. Zegar saura-t-il perdurer dans son ascension ? La réponse dans le second épisode.